La lampe Lexilite, elle a été créée suite à la découverte de deux chercheurs français qui se sont aperçus que la majorité des personnes dyslexiques avaient une double dominance au niveau des yeux. Ce qui fait qu'en fait, le cerveau reçoit deux informations contradictoires en même temps. Donc le cerveau ne sait pas faire le tri, en fait, de la bonne information, et c'est là que ça trouble la lecture. En fait, ça crée ce qu'on appelle l'effet miroir. Pour vous donner un exemple, souvent les dyslexiques, ils confondent certaines lettres. Le B, le D, le P, le Q, le O, le A, il y a les lignes qui s'entremêlent, bah c'est dû à ce trop plein d'informations. Et en fait, nous, on a intégré dans la technologie une lumière pulsée et modulée qui va venir tromper le cerveau et ça va venir créer en fait qu'un seul œil dominant pour qu'il n'y ait qu'une seule information forte. Ici, c'est pour régler la luminosité. Ici, c'est pour régler les pulsations. Moi, j'utilise comme ça. C'est pas bon. Sans lumière, avec beaucoup de frustration. Bah, je l'utilise que quand je suis en français. Moi, ça m'aide mieux à lire parce qu'en fait, je me concentre mieux. Car quand j'ai pas la lampe, bah, quand je lis, les phrases, comme s'ils bougeaient. Et vu que maintenant, vu que la lampe, bah, les phrases, ils stabilisent. Et c'est un peu mieux pour lire. Il y a combien votre modèle du coup sur votre site internet? Alors, 549 euros. Et surtout, c'est une lampe qui est garantie 10 ans. Qui est made in Bretagne, qui est assemblée et envoyée d'une entreprise adaptée qui se situe à Saint-Malo, où 98% des salariés sont en situation de handicap. La lecture, je trouve qu'il est mieux, mais c'est un peu tôt encore pour être sûr. Vous voyez, au bout d'un mois, je pense que c'est trop tôt. Moi, j'ai l'impression que ça lui donne confiance en lui. D'accord. Ça lui donne confiance en lui et j'ai l'impression qu'il sait pourquoi il l'utilise et que ça lui fait du bien.